Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve encore dans un train haul un peu spécial été puisqu'on est bientôt en été. Le carton est ici, comme d'habitude on va faire notre petit tri et on vous retrouve juste après. Ça y est, on a fait notre tri. Bon, c'est un peu le bazar, heureusement que vous ne voyez pas vous. Mais je viens de me souvenir, parce que faut savoir que je me souvenais plus du tout de ce que j'avais pris. En même temps, on a fait la commande avant de partir en vacances, donc depuis mon cerveau il a tout oublié. Mais là, en revoyant tout, en fait, je me souviens que j'avais pas beaucoup d'idées à ce moment-là. Donc j'ai laissé Léane choisir plus de vêtements, puisque moi j'avais vraiment pas d'idées. Donc s'il y a plus de défilés pour Léane, c'est normal. Mais après, moi je m'en fiche, hein. Il n'y a pas de jalousie entre nous, donc on s'en fiche, mais je voulais juste vous prévenir au cas où vous le remarquez. Sur ce, du coup, c'est Léane qui va commencer avec son premier défilé. Qu'as-tu choisi? Cette fois-ci, je voulais prendre des trucs un peu comme ça, je sais pas comment décrire, mais... Écolière? Ouais, écolière, si tu veux. Ouais. Genre, en fait, ça change, des trucs comme ça. Ouais. Genre, t'as rien, là, un petit nœud rouge. Ah ouais, c'est original. Et du coup, avec une mini-cravate, ici. Et bah, tout du coup, petit. Tu... Qui a accordé H-cravate. H-cravate, bien sûr. On n'oublie pas les cheveux avant les mots. Mais en tout cas, je pense que ça va faire super joli. Surtout le haut, il est grave original, donc j'ai hâte de voir ça. Voilà pour le premier défilé de Léane. Alors qu'est-ce que tu en penses de cette tenue? Bah ça fait peut-être déguisement ou c'est peut-être trop court, mais moi j'aime bien. Hein. Ouais plus, bah... Les grandes chaussettes comme ça, ouais, j'aime trop. Hein. Ouais franchement, les chaussettes aussi, ça rajoute vachement un truc à la tenue. Sur ce, c'est à moi, c'est pour un body. Du coup, c'est un body comme ça, donc ça va être... pour derrière la tête. Par contre j'ai un peu peur parce que regardez le dos, ça a l'air un peu grand et puis bah on peut pas ajuster hein. Et moi j'ai pas beaucoup de dos, il est tout creux, donc j'ai un peu peur, mais bon on va voir. Avec ça je vais mettre un short en jean. Voilà pour mon défilé, t'aimes bien mon body? Bah ouais, il est bien. Genre c'est bien les body simples comme ça parce que parfois bah, on sait pas quoi mettre quoi. Ouais c'est ça, moi aussi j'aime bien. Après comme vous pouvez le voir c'est juste légèrement grand au niveau de mon dos. Après franchement ça va, c'est pas non plus énorme, c'est juste que je nage un peu dedans quoi. Mais à part ça, ça va. Je trouve qu'en plus ça va bien avec un short en jean. Et sur ce, c'est à toi. Il y a sa fille scandale déjà. Ah, ça commence bien. Alors, c'est encore un ensemble. Alors, j'ai l'impression que c'est encore pour les pingouins. Ah, je l'ai mis à l'envers, c'est pour ça. Je sais pas, je l'ai mis à l'envers. Je m'étais ça ressemblait pour les pingouins. Bon, du coup, c'est, je sais pas comment dire, il y a des boutons, c'est bien. Et du coup, avec le bas. Oh, il a l'air grand quand même. Ouais, c'est vrai. Il a l'air très grand. Et avec des chaussures comme ça. Franchement les chaussures elles sont belles hein. Bah hâte de voir ça alors. Mmh. Voilà pour le défilé, alors qu'est-ce que tu penses de ta tenue? Bah là c'est sûrement sur moi que ça va pas trop, mais je trouve sur moi ça fait pas tant bon que ça en vrai.
Ah ouais? Et aussi, bah, la matière, elle me gratte. Ah mince! Bah, du coup, t'aimes pas celle-là? Ouais, tenue. Perso, non. Et sinon, les chaussures, niveau confort, tout ça, ça va? Bah, les chaussures, ouais, elles sont bien parce que bah, déjà, elles sont belles. En plus, ça, ça fait pas trop grand que ça vu que. Bah, c'est un grand talon, mais vu que le... la semelle, elle est grosse, bah, du coup, ça fait moins grand, tu vois. Ouais, ouais, c'est ce que je me disais en les voyant. Je me disais qu'elles seraient au moins un peu confortables, quoi. Donc, ça avait l'air. Oui. Et sur ce, c'est à mon tour, c'est pour le haut, le reste c'est juste pour accompagner. J'ai pris une chemise comme ça, une petite chemise, ça va faire un peu chemise crop top. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit, le petit détail ici, ça va faire un espèce de nouage, je sais pas si ça se dit, mais vous voyez. Un nœud quoi. Ouais. Donc bah, j'espère que ça va faire beau sur moi parce qu'en tout cas sur la photo c'était très joli, mais on va voir ça. Voilà pour mon défilé. Est-ce que t'aimes bien mon petit top chemise? Bah ouais, ça fait grave beau, tu vois, les petits. Déjà, les chemises, ça fait grave beau, mais en plus, aussi court comme ça, et c'est replié, que ça fait un petit nœud et tout. Oh, en vrai, j'aime trop les hauts comme ça. Ouais. En plus, ça peut se mettre avec beaucoup de trucs, genre là, avec le pantalon, ça fait grave beau. Ouais, franchement, oui, c'est vrai que ça, ça peut se mettre avec tout. Même par exemple, si pour mettre des chaussures avec cette tenue, je pense que tout type de chaussures pourrait aller avec. Donc, franchement, j'aime trop cette tenue, mais surtout là, faut juger le haut surtout. Mais franchement, j'adore. En plus, il est super confortable. Et je sais pas si vous avez remarqué pour le derrière, mais c'est une matière élastique. Du coup, ça, c'est bien. Ça peut s'adapter à toute morphologie, du coup. Donc, j'adore. Y a rien à dire. Cette chemise. Parfaite. Sur ce, c'est à toi. Oui, attends, faut que je trouve quand même le sens du vin. Ouais, bon, en gros, c'est comme ça, mais là, vu qu'il est empâté, bon, on revient. Mais c'est genre, croisé faut, quoi. Un truc comme ça, oui, c'est croisé. Enfin, voir comme ça. Voilà. Allez. ouais, du coup, avec bah, un petit short comme ça. Le truc, c'est que je vais devoir défiler avec exactement le même haut, mais en noir. Donc ça va être encore le bazar pour vous montrer. Mais en tout cas, là, c'est Aliane de défiler. Voilà pour le défilé. Alors, t'aimes bien ta tenue? Bah ouais, j'aime trop. Hein. Les petits hauts comme ça, tu vois, en ce moment, j'ai envie d'avoir des petits hauts parce que souvent, je prenais des pulls, mais bon, je vais pas mettre des pulls en été. Genre, j'aime trop les petits hauts comme ça, puis le short, il est super à l'aise. Hein. Ouais, bah en plus, du coup, ce short, je sais pas si vous l'avez reconnu parce que du coup, il était déjà dans un train haul. En fait, Léane l'avait pris, mais en fait, il était malheureusement trop petit pour elle. Du coup, maintenant, c'est à moi, le short. Et du coup, elle l'a repris à une taille au-dessus. Et cette fois-ci, ça te va, c'est ça? Oui. Bon, c'est bon. Là, c'est pour elle, le short. Mais en tout cas, le petit top, j'adore aussi, franchement. Bon, on voit un peu en dessous, mais franchement, je ne vois pas pourquoi genre mettre une brassière avec ça, ça ferait pas top top, parce qu'on verrait les bretelles dépasser, donc voilà, puis de toute façon, vous savez ce que c'est. Donc, si vous êtes choqués, restez choqués, encore une fois. Et sur ce, là, en fait, pour ce défilé, Léane va garder le même haut, mais elle va juste changer le bas. Du coup, tu peux leur montrer ce que tu vas mettre. C'est juste encore un petit short comme ça. En plus, c'est bien, il est élastique, bordeaux. Je pense que c'est Bordeaux ça. Ouais. Voilà. Oui, Bordeaux. mais on dirait un short cycliste en fait, mais. Ouais, un peu, mais je pense pas que ce soit serré. Ouais, bon, au pire, on verra. C'est parti pour l'essayage. Du
coup voilà pour le mini défilé, pour ce short, il est à l'aise Bah ouais, il est à l'aise, puis au final ouais ça fait un peu comme cycliste, mais ouais il est bien à l'aise, puis en plus c'est bien c'est que c'est élastique ici. Ah ouais, bon bah c'est cool alors. Ouais. Super, comme ça c'est pour le badminton au cas où t'as un short en plus. Sinon, là c'est à mon tour, cette fois-ci c'est pour juger le haut et le bas. Alors, le haut, il est comme ça, mais il va pas rester comme ça parce que, en fait, je sais pas si vous voyez, mais ici il va falloir remonter. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Normalement, vous connaissez les hauts comme ça où faut remonter l'élastique et après faut faire un nœud. Mais bon, vous verrez quand ce sera porté parce que là ça ressemble à rien. Et pour le bas, c'est une longue jupe, enfin longue jupe, il y a plus long encore, mais je veux dire plus long que ce qu'on prend d'habitude, qui est censée, je pense, être un peu moulante et montrer les formes. Moi, vu que j'en ai pas, et eh ben il n'y aura rien, mais c'est pas grave, elle a l'air quand même jolie, donc on va essayer ça. T'aimes bien la tenue ou il y a un truc que t'aimes pas? Bah, le haut il est bien, ouais, c'est bien qu'il soit comme ça, puis c'est bien de pouvoir remonter. Ouais. Par contre, en soi, la jupe elle est bien, mais elle est un peu trop longue. Genre, ça aurait été bien de pouvoir resserrer aussi comme ça. Ouais, en plus, toi t'avais déjà eu une jupe comme ça, vous savez, vous pouvez remonter après faire un nœud, mais elle on peut pas. C'est vraiment la jupe qui est comme ça, donc mi-longue. Bon, bien sûr, je dis pas qu'elle est moche parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent bien aimer, mais personnellement, en fait, oui, c'est sûr que c'est mieux quand c'est plus court. Donc je pense que vous avez dû le voir pendant mon défilé, mais du coup, je l'ai un peu remontée et ça se voyait, mais c'est pas grave, c'est juste que je voulais qu'elle soit un peu plus remontée. Sinon, juste avant de passer à la tenue de Léane, je veux juste vous dire que c'est un lot de deux les jupes, elles sont ensemble, vous verrez en cliquant sur les liens. Mais voilà, c'est deux jupes, une noire, une blanche. Donc bon, du coup je vais pas défiler avec celle-ci puisque bah, vous avez déjà vu ce que ça donnait. Mais voilà, je voulais vous le dire en tout cas. Et sur ce, c'est à toi. D'accord, bon du coup encore un petit ensemble écolière. Alors là t'es dans ta phase ensemble d'écolière. Ah, le papier il a bien relevé. Oui. Bah du coup, logique, la petite chemise comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, avec une petite jupe à carré rose. À carré. À carreau. Et pareil, je cravate qui est accordée à jupe. D'accord. Merci pour cette explication très ch'ti. Et sur ce, elle va vous faire son défilé. Voilà pour le défilé. Alors, t'aimes bien? Bah ouais, de toute façon toutes les tenues comme ça, en vrai c'est grave beau. On veut juste savoir faire une cravate, mais si on sait bien quoi. Ouais, parce que vous n'avez pas eu l'envers du décor, mais je peux vous dire que la cravate, ça a été une galère totale. On a mis plusieurs minutes à essayer de comprendre. Léane a essayé de comprendre un tuto, mais en vain, on va dire. Du coup elle a juste fait hop un nœud et etc. Donc si vous savez faire une cravate, bah, vous pouvez acheter la tenue, sinon c'est mort si vous ne savez pas en faire, parce que c'est très compliqué. Le truc c'est qu'elle a une deuxième tenue comme ça avec une cravate à faire, donc elle va encore opter pour cette option, mais ouais, c'est très compliqué. Mais en tout cas la tenue est belle, hein. En tout cas si on sait faire une cravate, elle est très jolie. Et sur ce, c'est à moi, c'est pour juger les deux. Du coup, le fameux haut que Léane a déjà porté en blanc, mais du coup moi en noir, bon, c'est rien que je vous montre, je ne comprends pas le sens de ce haut, mais vous verrez porter. Et du coup, pour le bas, c'est une jolie jupe.
short, short, rose comme ça, très cute, donc bah c'est parti. Voilà pour mon défilé, d'ailleurs pour moi c'était le dernier. Est-ce que t'aimes bien ma tenue? Bah ouais, c'est bien comme ça, puis ça fait mignon, une petite jupe rose comme ça. Ouais. Bah du coup ouais, le haut il est bien vu que bah, il y avait le lien blanc. Ouais bah oui, du coup toi tu l'as essayé aussi en fait. Ouais ça va, il est confortable, juste un peu serré au niveau ici du cou. Mais sinon ça va quand même, et la jupe un peu grande parce qu'elle est en S. Donc ce serait plus pour Liane que pour moi. Mais bon, c'est pas très grave. Sur ce, c'est à toi. Oui, bon du coup c'est exactement le même que ça mais en une autre couleur quoi. Ouais. Bon, du coup, encore à l'envers, tu m'étonnes, ça va pas bien. Bah, du coup, encore une chemise. Et bah, pareil, mais en bleu, du coup. Voilà, encore avec une fameuse cravate oui. À faire. Cette fois-ci avec des chaussures. Ah oui. Des choses. Bah, celui-là, il est enroulé comme je sais pas quoi, mais. Ouais. Bah, j'ai hâte de voir ce que ça donne, du coup. Alors voilà pour le défilé. Alors t'aimes bien cette troisième tenue ou l'écolière? Par contre j'ai envie d'éternuer mais oui bah de toute façon si j'ai pris la même, bah oui c'est bien, ils sont comme ça. Ouais. Bah je sais pas quoi dire, je suis jamais trop. Ouais parce que je sais pas pourquoi mais d'un seul coup elle a voulu prendre trois tenues comme ça. Et après en plus ce qui est bien c'est que vous pouvez la styliser un peu comme vous voulez cette tenue, puisque par exemple juste avant elle avait rentré la chemise, la sortie au-dessus de la jupe. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez. C'est pas mal. Et sur ce du coup là c'était la dernière tenue. Oui. Dernière tenue. Du coup un petit haut noir simple comme ça. Genre, c'est aussi c'était un débardeur mais avec des gros trucs tu vois. Je sais pas comment expliquer. Avec un short rouge comme ça. Bon c'est un short quoi. Ouais. Et bah du coup des chaussures rouges. Attends, par contre ça c'est trop beau en vrai. Ouais, franchement la classe. Ça marche pas, tant pis. Très classe tout ça, donc c'est parti pour le défilé. Voilà pour le dernier défilé. Alors, t'as bien aimé ta tenue? Bah oui. Et c'est tout. Bah déjà, le haut, bah, tu vois, le petit haut comme ça, c'est à l'aise. Ensuite, le bas que je n'ai plus. Qui, bah, et là, il est un peu serré parce que c'est en XS, donc rip. Mais sinon, il est très beau et ça va bien avec la tenue, quoi. Ouais. Et les chaussures, elles sont aussi un peu grandes. Genre, du coup, je galère à marcher parce que le talon, il va pas bien au fond. Mais sinon, elles sont grave belles. Des chaussures rouges comme ça, c'est... Une... Yeah. Ouais, les chaussures elles sont classe, mais après dommage qu'elles soient un peu grandes du coup. Mais j'adore, c'est que Léane, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais elle, dès que le défilé est terminé, elle enlève le bas et elle reste en culotte en fait. C'est ça l'envers du décor. Donc c'est pour ça qu'elle a dit le short que je n'ai plus, puisqu'effectivement elle ne l'a plus.
Bon, en tout cas, toutes les tenues, elles étaient super jolies. Et du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin, déjà, la vidéo doit être longue, mais moi, ça m'a semblé vite pour une fois. Sinon, comme d'habitude, ou pour les nouveaux qui ne savent pas, on met toujours en barre d'infos les liens de tous les vêtements qui ont été portés dans cette vidéo et chaussures aussi. Et ainsi que notre code promo que vous pouvez utiliser. C'est toujours le même depuis très longtemps. Donc voilà. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez partager notre chaîne sur vos réseaux sociaux. À bientôt.